Salut tout le monde, c'est Alphéa. Aujourd'hui, je vais laisser Monsieur Smith vous raconter notre première rencontre. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a été des plus mouvementées. Alors comme d'habitude, prenez vos clés et bon retour à l'hôtel La Belle Ombre. Notre hôtel est rempli de monstres. Quand on possède un commerce, on voit le temps passer de manière plus rapide. On voit les gens autour de nous changer et vieillir. On voit des relations se construire et se finir, des modes changer, et même l'environnement autour de nous le faire. En ce qui concerne l'hôtel, au cours de ces dernières décennies, l'environnement est resté presque identique. Un endroit retiré était l'une de mes priorités principales lorsque j'ai eu l'idée de construire cet hôtel. L'endroit que j'ai choisi est parfait. Il est silencieux et naturel. Je voulais créer quelque chose qui serait un endroit sûr pour tous les gens qui y rentreraient. Je voulais que tout le monde soit protégé des autres, des critiques et des regards indiscrets. Quand j'ai eu l'idée de l'hôtel, je voulais que ce soit un endroit qui ne soit pas visible pour le monde extérieur, pour pouvoir profiter de la paix et de toute autre chose sans s'inquiéter des ennemis éventuels. Je pensais que c'était une idée noble. Ça n'a pas été dur de commencer à trouver des clients pour l'hôtel. Des créatures de toute espèce ont commencé à affluer dans ce magnifique bâtiment. Nous sommes toujours complets. Et nous faisons en sorte de toujours être très prudents en ce qui concerne nos clients. Même au cours des années, nous avons eu divers clients qui ont tenté de défier les règles. On essaie toujours d'indiquer le plus clairement possible les règles de l'hôtel aux gens qui viennent séjourner chez nous. Mais il y a un événement que l'on n'a pas pu prévoir et depuis, à cause de ça, nous avons mis en place des règles encore plus strictes. Une femme et sa fille étaient venues passer le week-end à l'hôtel. C'était il y a plusieurs dizaines d'années. Mais je m'en rappelle encore comme si c'était hier. Les souvenirs ont tendance à nous échapper. Mais pour celui-là, ce n'était pas le cas. Beaucoup de choses auraient pu se passer différemment pendant ce week-end si les règles que nous avons en place actuellement l'étaient à l'époque. Et à cause de cet événement, je dois encore beaucoup de services à diverses personnes. Si j'avais été celui qui avait fait le check-in pour ces deux femmes, peut-être que j'aurais remarqué qu'elles avaient besoin d'un traitement spécial. Nous rappelons toujours à chacun de nos clients ce qu'ils peuvent et ne peuvent pas faire. Mais pour certains, la limite doit être définie de façon encore plus stricte. Mais je dois vous avouer que c'est dur de demander à tout le monde de mettre leurs différences de côté, alors que dans le monde réel, c'est tout l'inverse. L'employé qui a fait le check-in n'a pas vu de mal à les mettre dans les étages supérieurs, où le niveau de sécurité est moindre. C'est normalement là que l'on met nos clients ombre, qui ne représentent pas beaucoup de danger pour nos clients humains qui séjournent avec nous. Si nous y mettions les clients humains, c'est parce qu'ils avaient besoin d'être protégés des ombres les plus dangereuses qui séjournaient dans les étages souterrains. Comme je le dis, le problème, c'est qu'on n'avait aucune idée que ces femmes n'étaient pas inoffensives. À vrai dire, je n'ai même pas remarqué qu'on avait eu un problème avant le matin d'après, pendant le check-out. Plusieurs clients qui devaient partir ce matin-là n'avaient pas encore quitté leur chambre à l'heure où ils le devaient. Je n'ai pas été particulièrement alarmé. La nuit d'avant était une veille de réveillon, et dans ce genre de situation, les gens ont tendance à ne pas faire attention au temps. Mais bien sûr, ce n'était pas le problème, car dans chacune de ces chambres, nous avons trouvé les clients dans le même état. Ils étaient conscients, mais complètement perturbés. Ils étaient pâles, ils transpiraient et tremblaient de manière incontrôlable. La plupart d'entre eux disaient des choses incohérentes à propos de longues dents de requin. Ni moi, ni aucun des employés ne savions ce qui était en train de se passer. Et je n'avais aucune idée de ce que je devais faire. Les 5 clients infectés portaient aussi sur leur corps un autre indice de ce qui s'est passé la veille. D'étranges morsures qui semblaient avoir été faites par des dents acérées. On aurait presque dit qu'ils avaient vraiment été attaqués par un requin. Le plus étonnant, c'est qu'aucun de ces invités ne semblait avoir reçu de visite extérieure la nuit précédente. J'ai demandé à notre équipe médicale privée de consulter nos clients blessés pendant que j'essayais de trouver ceux qui les avaient attaqués. La seule chose que le docteur a pu nous dire, c'est que la morsure n'avait pas été faite par un animal, mais qu'il avait une petite idée de comment soigner nos clients. Ce n'était pas le premier incident qui s'est déroulé à l'hôtel, mais c'était le premier que je n'arrivais pas à résoudre de façon immédiate. Durant ma longue vie, j'avais rencontré des cas similaires, mais rien qui ne ressemblait exactement à ce qui arrivait à nos clients. En regardant la liste des autres clients de l'hôtel, j'ai vu que ce n'était pas le mode opératoire d'aucun d'eux. Je n'arrivais à comprendre comment quelque chose avait pu entrer dans l'hôtel sans que nous nous en rendions compte. À cette époque, il n'y avait pas encore de caméras de sécurité, et j'avais une règle stricte contre l'utilisation de la magie pour espionner nos clients, ce qui a rendu ma tâche encore plus difficile.
J'ai décidé de positionner des employés à chaque étage de l'hôtel. J'ai même dû engager d'autres employés juste pour ça, vu la surface qu'il y avait à couvrir. Nous avons fait en sorte que l'incident n'arrive pas aux oreilles des autres clients, et les employés qui étaient en place devaient agir le plus normalement possible, tout en gardant un œil sur la visite que recevaient nos clients. Notre priorité principale était bien sûr de surveiller si quelqu'un essayait de rentrer dans la chambre de nos victimes. Le docteur essayait du mieux qu'il pouvait d'aider chacun de nos clients affectés, mais il n'arrivait pas à faire s'arrêter les murmures incohérents des patients. Le matin suivant, j'espérais recevoir des nouvelles positives en ce qui concernait notre mystère. Mais j'ai été déçu. Les employés à chaque étage n'avaient rien remarqué de suspect. J'ai presque cru que la nuit s'était déroulée sans événement marquant jusqu'à ce que le docteur arrive en trombe à la réception. Il était revenu pour faire sa ronde habituelle, et ils avaient tous disparu. Les 5 clients affectés s'étaient volatilisés de leur chambre. Je n'arrivais pas à comprendre comment mes employés n'avaient pas vu quelqu'un passer de chambre en chambre. Je les ai interrogés à nouveau. Ceux qui étaient positionnés aux étages des clients affectés m'ont confirmé que les seules personnes qui étaient rentrées dans les chambres étaient le docteur et son infirmière. Et c'est là que le mystère a été levé. Le problème avec ces réponses, c'est que le docteur n'avait pas d'infirmière. On en savait déjà un peu plus sur ce qu'on recherchait. Un autre employé a indiqué qu'une femme portant un uniforme d'infirmière était sortie d'une chambre au 7ème étage. J'ai immédiatement rassemblé une équipe pour aller vérifier la chambre de laquelle l'infirmière était sortie. Tout ce que nous avons trouvé, c'était une adolescente qui avait l'air complètement désorientée. Elle a prétendu qu'elle n'avait aucune idée de ce qui s'était passé dans l'hôtel et qu'elle était là avec sa mère. Et après quelques minutes à parler avec la jeune fille, j'étais persuadé que nous avions trouvé notre attaqueur et kidnappeur. Le nom de la jeune adolescente était Alphea, et sa mère la laissait tous les soirs toute seule alors qu'elle sortait faire je ne sais quoi. D'après la jeune fille, elle était encore trop jeune pour participer aux activités de sa mère. Elle nous a dit que sa mère avait quitté l'hôtel tôt ce matin, prétextant vouloir rencontrer quelqu'un en ville, et qu'elle avait dit qu'elle reviendrait le jour suivant. Je n'avais pas l'impression qu'elle nous mentait. Elle avait l'air parfaitement honnête. Elle était très calme pendant tout l'interrogatoire, comme si elle avait l'habitude d'avoir à gérer le chaos que sa mère laissait derrière elle. « Qu'est-ce que tu es ?» L'expression de surprise qui était apparue momentanément sur son visage fut assez pour la trahir. Elle n'a pas réussi à cacher sa réaction assez rapidement. « Tu n'es pas humaine, n'est-ce pas ?» Elle arrêta de faire semblant. Elle savait aussi bien que moi que je l'avais découvert. « Je suis un mix de beaucoup de choses. » J'étais rassuré. Le mystère commençait à se désépaissir. « Ils sont tous morts. » Elle n'avait pas hésité à le dire. Elle le disait comme une simple affirmation. « Elle les a ramenés dans la mer et les a mangés. » J'ai acquiescé, lui expliquant exactement comment on allait procéder. Elle allait devoir rencontrer notre médecin et nous allions la surveiller très étroitement. J'ai pensé à tout ça très rapidement, je savais exactement ce que je devais faire. J'ai fait comprendre à la jeune fille que sa mère nous devait quelque chose pour les crimes qu'elle avait commis sur notre propriété, et qu'elle allait devoir travailler ici jusqu'à ce que la dette de sa mère soit payée. Tout ce qu'on avait à faire, c'était de passer à autre chose. Bien sûr, quelques clients étaient mangés de temps en temps, ça devait arriver. Alphea accepta ce petit arrangement, et semblait même excitée par la nouvelle. Elle a commencé à travailler dès le lendemain, vu que la majorité des autres employés s'attelaient à ce que les meurtres ne soient pas retracés à notre hôtel. Je me souviens de la dernière chose qu'elle a dit avant de commencer à travailler officiellement pour nous. « Ça ne vous dérange vraiment pas d'engager un monstre ?»« Bien sûr que non. Nous avons eu des monstres pires que toi dans notre hôtel. Et nous en aurons encore plus dans le futur. Bienvenue à l'hôtel La Belle Ombre. » Si vous avez bien aimé cette histoire, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et à liker la vidéo. Merci et... à bientôt pour une nouvelle Creepypasta.